Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes mercredi. Je suis allée hier à la pharmacie et je suis allée renouveler mes médicaments parce que j'avais plus de médicaments. Et j'ai les mains en fait très sèches en ce moment et elle m'a conseillé de prendre, elle m'a dit que c'était un produit qui était très vieux et hyper efficace. C'est un baume pour les mains enrichi à la vitamine A. Ça se présente comme ça. Je vous montre la boîte. Le Long. Voilà. Et en fait, ça ressemble à de la biafine. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne m'en rappelle plus. Ça se présente comme ça. C'est un gel assez épais. Et c'est vrai que j'en mets depuis hier. Et ça hydrate très très bien les mains. J'avais les mains vraiment trop sèches. Hier, je devais aller me faire ma pose de faux ongles. Et elle a eu un empêchement, donc je n'ai pas pu le faire. Donc j'ai rendez-vous vendredi. Bon, et aujourd'hui, je suis allée tout à l'heure au magasin bio. Voilà. Ça. Ben je l'ouvre pas parce que si le problème c'est quand je commence à manger ça, en fait c'est des flocons d'avoine, des galettes de riz, pardon, galettes de riz au chocolat noir, c'est super bon, ça se mange sans faim en fait, j'adore ça. Alors c'est pas sucré, il y a juste le chocolat noir qui est sucre et c'est délicieux, j'adore. Et j'avais plus de. C'est ce que je mets dans mon petit déjeuner le matin. Je prends mon thé matcha et je mélange du riz soufflé avec. J'essaie d'ouvrir. Pardon, ma Kira. Kira, elle est terrorisée parce que. Je vous ai dit que ma fille était à l'hôpital depuis lundi. Là, je l'ai emmenée lundi à l'hôpital. Et du coup, je garde sa toutoune, Jude, et je lui mets un collier électrique. Alors, il a des modes vibration, hein, donc ça vibre quand elle aboie. Et Kira, elle déteste ses colliers. Ça lui rappelle un mauvais souvenir. Et du coup, elle est à côté de moi, là. Voilà, donc c'est des protéines, c'est en fait de l'avoine mélangée à des noisettes. C'est super bon. De la marque Crou. Cruchy. C'est des céréales complets, sans huile de palme, source de protéines, fabrication en France. C'est super bon. C'est pratiquement pas sucré, franchement. C'est délicieux. J'achète aussi, toujours de la même marque, grillon d'or. Il y a plein de sortes en fait de céréales. Et celles-là, c'est des céréales sans gluten, à l'avoine, à la châtaigne. Les deux, c'est juste une pépite. C'est mon mari qui m'a fait découvrir ça. J'adore. Je me prends ça le matin avec mon thé matcha. C'est super bon. Ça me cale. Bah, ça me cale. Je mange hier, j'ai mangé hier matin et je remange le matin. Je mange une fois par jour en ce moment. La semaine, je vous l'ai dit l'autre fois, en semaine, j'essaie de manger une fois par jour. Et le week-end, je mange normalement, mais en semaine, une fois par jour. Et j'ai pas faim. Le soir, je me prends par contre un thé matcha ou un thé autre. Et j'en prends même deux, mais je mange pas le soir. Voilà. Et j'ai pas envie. De toute façon, ça me va très bien. Je me sens bien comme ça. Voilà. Et j'avais envie de compléter en fait ma routine de soins au Coco Cosmetics que je vous ai montré la semaine dernière, que j'adore. Et sur mon Corner Bio. C'est un site français hein, et vous avez plein, plein de produits bio sur ce site, plus ou moins cher. Hein, il y a toute gamme de produits.
et je voulais compléter ma routine. Alors, je vais vous montrer. J'ai juste pris deux choses, mais il y avait une box, en fait, en cadeau pour 150 € d'achat. Et du coup, j'en ai profité. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai commandé deux produits. Et regardez tout ce que j'ai reçu. Voilà. Alors, j'ai eu un cadeau. Bon, je vous montrerai le produit que j'ai commandé tout à l'heure. J'ai reçu de la marque Ilia. Je crois que c'est un full size. Enfin, ça ressemble à un full size, je sais pas. Ah, c'est un... J'ai jamais testé. Ma soeur s'en est acheté. Et vous savez, c'est des fards crème. Ma soeur s'en a acheté une fois. Et du coup, je ne l'ai jamais acheté, moi. Je n'ai jamais essayé. Et la couleur est magnifique. C'est un fard crème de la marque Ilia en full size. En cadeau. Super cadeau. Pour 150 € d'achat dans la marque Ococo Cosmetics, on avait droit à un produit gratuit et un produit. J'avais droit au diamant bleu de gratuit. C'est une crème jeunesse radiante. Alors, c'est une crème pour le visage. Vous voyez, c'est exactement la même que j'ai à la maison. Donc, j'en ai une deuxième. C'est un baume pour le visage qui hydrate super bien la peau. J'adore ce produit. Je suis hyper contente. Du coup, j'en ai deux. C'est génial. Vraiment, super cadeau là. Alors, on va en voir le petit goodies là. Je crois que la box avait une valeur de 160 €. Donc, alors moi, je voulais acheter de la Macoco Cosmetics, la crème pour le contour des yeux. Ça se présente comme ça. Diamant bleu, ultra clarifiante crème. Ouais. Donc, c'est une crème pour le contour des yeux. C'est ça? Voilà, ça se présente comme ça. Ben, c'est la crème pour le contour des yeux qui va avec... c'est la gamme diamant bleu. Ouais, ben, c'est la même gamme. Voilà. Donc, j'ai voulu acheter cette crème pour le contour des yeux. Comme ça, j'ai vraiment une routine complète de la même marque. Et j'aime beaucoup. Ça sent très, très bon. En plus, ces produits sentent super bon. J'ai reçu en cadeau une huile pour le visage aux céramides de la marque Paille. C'est un petit format. C'est un petit format comme ça, là. Une huile. Doucement, Kira. Oh là là. Donc, c'est une huile pour le visage. J'ai jamais testé la marque Paille. Je crois qu'ils la font chez Nocibé, il me semble. Mais moi, j'ai jamais testé. C'est une dose quotidienne de sérénité pour les peaux stressées. Non, doucement, doucement, les enfants, là. Voilà, donc écoutez, il y a quand même de quoi faire. Faites voir, là, au niveau de l'odeur. Alors, ça sent pas... Non, ça sent rien du tout. Là, il n'y a pas d'odeur. C'est pour ça que j'adore Ococo Cosmetics, parce qu'il y a des odeurs qui sont réconfortantes et ça me fait du bien. Et donc, mais là, la marque Paille, il n'y a pas d'odeur. Donc... Ensuite, j'ai reçu un nettoyant lait douceur de la marque La Canopée. Ça, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais testé. C'est une marque 50 ml d'origine naturelle, là, toujours. Un nettoyant pour le visage que je testerai. J'ai l'impression qu'il y a des grains à l'intérieur. Regardez. Ouais. C'est un lait douceur. Lait nettoyant au creux de la main. Masser l'ensemble du visage, du bout des doigts et retirer les impuretés. En évitant le contour des yeux. Lily, voilà. Il y avait dedans de la marque Aurélia. Alors là, c'est un nettoyant au CBD à base d'eau et d'huile. Votre mélange purifie la peau à base de cristaux uniques de CBD. Action. Je connaissais pas du tout les produits comme ça avec du CBD. Pour le visage, découvrez notre formule multiphase à base d'eau et d'huile qui se mélange instantanément et élimine les maquillages et les impuretés. Ben, vous voyez, je connais pas du tout. Donc c'est un nettoyant pour le visage, c'est une huile nettoyante pour le visage au CBD. On n'arrête pas le progrès. Je testerai avec plaisir parce que moi je prends du CBG et
Je prends du CBG depuis, depuis quelques mois maintenant, ça fait un petit moment. Et franchement, ça me va super bien. Je dors, j'ai jamais dormi aussi bien. J'ai pu arrêter mes somnifères. Je prends mes décontractants pour dormir quand même, mais je prends plus de somnifères. Et je prends 3 gouttes de CBG. Donc le flacon dure hyper longtemps. Ça coûte 50 euros un flacon. Mais oui, oui, tout. Ça coûte 50 euros le flacon, mais il dure hyper longtemps. J'en prends, je crois, depuis l'été dernier. Ça fait 6 mois et j'en suis au deuxième flacon. 3 gouttes. J'ai essayé d'en prendre plus, mais avant, je prenais 5 gouttes, mais je ne me sentais pas bien. Déjà, je sentais que le matin, j'étais un peu dans les vapes et je n'avais pas le moral non plus. Et en plus, avec les problèmes de ma fille, j'étais encore plus triste en fait. Vous voyez, ça minait plus. Alors que là, j'ai réduit les doses, j'en prends 3 gouttes le soir et je me sens mieux. J'arrive. En fait, il faudrait, faut pas. Je ne peux pas me laisser aller en fait. Vous voyez, ma fille a beaucoup de soucis et il faut que je sois forte. Il faut que je sois souriante, il faut que je l'aide à s'en sortir, à aller mieux. Parce que si moi je déprime en plus, ça ne va pas l'aider. Donc il faut absolument être courageux en fait. Hein. Quand on a des enfants qui ne sont pas bien, eh ben, il faut pouvoir être là pour les aider. Donc j'ai un toutou de plus là tout de suite. Là. Hein, Jude qui, elle est mignonne, elle est adorable. Hein. Et, oui, tu es adorable, je sais que tu es adorable. Elle est adorable. Et puis voilà, et puis ça va se faire et ça va prendre le temps qu'il faudra de toute façon. Mais il faut avoir la pêche et pour pouvoir la requinquer. Voilà. Je continue avec Madara Hydra Recharge Crème. C'est une crème hydratante pour le visage de Madara. C'est franchement des doses d'essai qui sont quand même assez grandes, 15 ml. Madara, c'est pareil, je n'ai jamais acheté de produit de Madara. Je connais, mais je n'ai pas testé. Là, c'est un crème, en fait, c'est un nettoyant pour les cheveux et le corps. Un gel marin pour le visage de la marque Shairi. Alors, comme ça, Shairi. Encore un gros flacon, on ne connaît pas non plus. Donc, c'est bien ces petites box parce qu'il y a quand même des formats quand même conséquents. Et ça permet de pouvoir tester d'autres produits qu'on ne connaît pas. Quoi. C'est vrai que s'il y a des produits que j'aurais jamais acheté de moi-même. Hein. Un masque riche et réconfortant pour le visage hydratant. Absolution. Ça, c'est une marque que je connais aussi, mais que je n'ai jamais testée. Encore un grand format. 15 ml. Ouais. Un masque réconfortant pour le visage qui nourrit, hydrate, apaise. Donc, c'est cool. Voilà. Et... Mais en fait, j'avais commandé 2 produits. J'avais commandé en fait un... Je comprends pas là. Ça, c'est un masque exfoliant pour le visage, qui se présente comme ça, de la marque Ressourcée. Voilà, c'est un gel pour le visage. Ouais. Et en fait, moi, j'avais commandé... Rétinol, c'est du rétinol plus de l'acide hyaluronique. C'est un sérum pour le visage de la marque Adacité, que je ne connais pas. Voilà. Et je ne comprends pas parce que j'avais commandé en fait 2 produits de la marque Okoko Cosmetics. Je voulais un baume pour les lèvres de la marque et j'ai reçu ça de Okoko et j'ai pas reçu mon baume pour les lèvres. Et ça, je ne l'ai pas commandé. En fait, moi, j'ai commandé un baume pour les lèvres de la marque Okoko Cosmetics et j'ai commandé le baume pour le visage. Vous voyez, j'ai reçu le baume pour le contour des yeux. Mais j'ai pas reçu le baume pour les lèvres. C'est bizarre. Je regarderai ma commande. Bon, c'est pas grave. Voilà. Sinon, bah, c'est tout. Le baume, je le recommanderai une autre fois. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi. J'ai rien prévu. Je vais faire mon montage vidéo là. Je vais faire mon montage vidéo. Ouais. Ça croque en fait. Et on a l'impression de pas manger quand on mange ça. J'adore ça.
Je vais faire un petit montage vidéo. Et puis, je vais continuer mon... Je suis en train de faire un... Je vais vous montrer. Je suis en train de faire une nappe pour ma table en tricot. Hier, j'avais pratiquement fini, en fait. Et je me suis aperçue que je me suis trompée à un endroit. J'avais pas fait d'angle à un endroit. Je m'étais trompée. Et du coup, il a fallu que j'enlève tout. J'avais trop les boules. J'étais hyper excitée. Vous savez, quand on arrive au bout d'un produit, on est super content. On se dépêche pour terminer. Et en fait, je m'étais trompée. J'étais dégoûtée. Donc, eh ben, j'ai recommencé. Donc là, c'est une nappe que je vais faire 200 par 200. Alors, vous imaginez, j'avais vraiment les boules. Et j'espère que là, je ne vais pas me retromper parce que... 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, bah, écoutez, hop. Et puis, c'est une nappe qui va être assez grande. Donc, c'est super joli, j'adore. Et après, bah, je vais faire des rideaux pour ma pièce. Je voulais acheter des rideaux, mais je vais les faire. Je vais faire la même chose que ce modèle-là. Comme ça, je les mettrai sur ma fenêtre. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais m'occuper de ma montage vidéo. Je vais ranger tout ça. Et puis, là, je vais appeler ma petite princesse. Alors, elle est restée 24 heures hier sans dormir. Alors, c'est un nouveau concept qui sert en fait à... Ça permet de créer, je crois que ça s'appelle de l'endorphine. Le corps va fabriquer de... Je crois que c'est l'endorphine. Je ne sais pas si je dis pas de conneries. Donc, comme ça, il n'y a pas besoin de prendre des médicaments en plus. Et ils lui ont laissé le même traitement qu'elle avait, là. Elle va faire ça une fois par semaine pendant 24 heures. Elle ne dort pas. On va voir ce que ça va donner, quoi. On va voir si ça marche comme ça. Voilà. Mais je l'ai appelée hier soir et elle n'allait pas trop mal. Et on peut la récupérer. Le week-end, elle peut sortir. Donc, ça, c'est bien. Je vais la récupérer samedi. Et on la ramènera le lundi. Voilà, comme ça, ça lui fait une petite coupure quand même. Et puis, ça passera plus vite comme ça. Voilà. Moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.